Ok. Je peux y arriver. J'ai un, deux piolets. Quand faut y aller, faut y aller. Ah, allez. Salut tout le monde, je suis Ina, la seule et l'unique. Et quelle idée d'avoir deux piolets quand un seul, ça suffit. On se retrouve aujourd'hui pour un cinquième épisode de Tomb Raider. Toujours en compagnie de la téméraire Lara Croft. Armée de son piolet qui part à l'assaut des falaises de cette montagne. Tout ça pour aller délivrer un SOS. Ouais. Tac. Oui, ça paraît logique. Même pas besoin de tuto pour le coup. Oui, je sais. J'avais l'intention d'y aller. Le jeu qui veut me prendre par la main. Non mais franchement. J'en ai pas besoin moi. Je sais où je vais. Je sais comment je veux y aller. Pat. Merci. C'est bien ça que ça le fait automatiquement. Bon, le problème c'est que de... Pas. Conséquent, j'aime pas les tombeaux. Il n'y a pas moyen de lever la torche pour voir un poil plus loin. Non, j'apprécierais. Ok, Y ça l'éteint. Ok. Tombeau d'Olympie. Ah mais il y a un camp. Mais on va s'y poser. Ah, j'ai un point de compétence. On l'avait préparé. Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade. C'est comme si je m'étais préparé à ça depuis toujours. Eh bien, parfait. Il est clair que des gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Mais pourquoi? C'est une excellente question. On dirait une sorte de secte. Mais qui vénère-t-il? Mais, tu le fais exprès? Que cherche-t-il? Sérieusement, ils sont probablement là pour la même raison que toi, ma chère. Je crois que j'avais un dernier truc à débloquer ici. Voilà. Plus de matériaux supplémentaires. Voilà. Ça, je m'en fiche. Ça... je suis pas convaincu. Ça, ma foi, pourquoi pas. Non, ces deux-là, non. J'ai juste débloqué ça. Voilà. Et maintenant, je me débloquerai tout ça. Allez. Je crois que je suis arrivé de par là, donc je vais par là. Je crois. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ces silhouettes dorées. Les cerveaux de la reine solaire. Ouais, je balance des trucs au pif. Des sacrifices, des meurtres. Il n'y a aucune trace de ces rituels dans les récits du Yamatai. À moins qu'on les ait effacés. Ouais, ça doit être ça. Je vois, il faut que je mette quelque chose de plus lourd là-dedans. Ou alors que je trouve un moyen de le coincer. Mouais. Ou alors juste... De pas m'embêter. Oui. Bon, allumons. Ah, je vois. C'est une idée en soi. Messieurs, je vous libère de vos cocons. Oh, c'est une mauvaise idée. Oh, c'est une mauvaise idée, ça va empester.
C'est pas grave. Il est trop tard pour revenir en arrière. Allez. Yep. Parfait. Il l'a. Hop. Là. Tada. Là. Ah, d'accord. Tac. Et ouais, j'ai de la force dans les bras. C'est joli. C'est glauque. Ça a peut-être été construit en l'honneur de ses prêtresses. Incroyable. Allez, profanons. Après tout, on est... We are a Tomb Raider. Un pire de tombe. À moi alors. J'en prends qu'un peu, hein. Il faut y aller avec modération. J'aime ce... Ah. J'avais pas vu. Oui, c'est prévu. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'aime les interfaces qui apparaissent complètement hors écran. Non. Chasseur. Nous, on veut chasser. Tir stabilisé. Intéressant. Un bon usage de vos sacs qui nous permet plus de munitions. C'est intéressant. Et ça, il me faut plus. Bon, bah, on va commencer par prendre ça. Par essentiel. Et après, on prend ça. Vétéran. D'accord, il faut quand même que je débloque ces deux-là pour pouvoir débloquer ces deux-là. Et ben, ce sera en dernier. Attends. J'ai un pistolet de pacotille. Bon, ça, on peut pas l'améliorer plus. Ça, c'est améliorer à fond. Mais ça! Ça! On peut l'améliorer. Voilà. Canon aéré. Il a le droit de respirer, lui aussi. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Enfin, si, un peu, mais... Bon. J'aime dire de la merde. Ouais, c'est que dès qu'on approche une zone trop sombre, ça allume. Si vous me dites qu'il y a des scarjums, j'ai pas aimé. Moi, je vais aller vers la lumière et en avoir rien à foutre d'autre, de tout ce qui m'entoure d'autre. Voilà, là on sort du tombeau. Tout va bien, pas de surprise, pas de loup, pas de bestioles qui jaillissent de nulle part. Tout me va. Parfait. Allez. Hop. Est-ce que je pourrais reprendre une arme adéquate? S'il vous plaît. Merci. Attends, j'ai combien? Ah non, je suis toujours à 20. Ah, tiens. Bah alors. Ça c'est stérile? Non, je sais pas à quoi sert si. Et ses fils sur les... Hey, t'as trouvé quelque chose? Non, rien. Quoi? Rien. Y'a personne là-haut. Y'a personne en bas non plus. Tu crois qu'on devrait retourner au bunker? Non, on attend que ça se calme. Oh merde. J'ai compris. Vous êtes des emmerdeurs. On ferait mieux de rentrer. Tirez-vous, cassez-vous. Oui, merci. Tu crois vraiment? On a le temps. Quand ils vont organiser des corps, à tous les coups, on va être de corvée des femmes. Ça leur sert à quoi, d'après toi? Quoi, la tour radio? Ouais. Ça fonctionne, pas vrai? Sûrement. On a une équipe d'hommes qui la garde jour et nuit. Là, il y a quelqu'un. Tu crois qu'il arrive à joindre l'extérieur? Pourquoi tu ne vas pas faire ça? Non mais descends de là. Je crois qu'il essaie de la tromper.
La clé ? J'ai déjà trouvé une clé, c'est pas ça dont vous parlez ? Non, hein, probablement. J'ai parlé à plus tôt. Non, ta gueule. Blablabla. Ambassadeur. Parchemin, monsieur. J'ai parlé à plusieurs habitants de l'île. On m'avait formellement interdit de quitter le palais, mais il en fallait plus pour m'arrêter. Mon objectif est clair, je dois découvrir la vérité. Mais les histoires que je découvre dépassent l'entendement. Des rumeurs affirment que la reine serait en communion avec le monde des esprits, qu'elle commanderait le soleil et la pluie, et que les terres seraient fertiles que par sa volonté. Ce sont sûrement des inepties, mais d'où viennent ces rumeurs ? Est-ce ainsi qu'elle contrôle son peuple en usant de superstitions primitives ? Lorsqu'ils parlent de leur reine, je vois du respect dans leur regard, mais aussi de la peur. Le peuple est traité avec justice, taxé raisonnablement et protégé par les gardes tempêtes. Je comprends qu'ils la vénèrent à ce point. Certains voient en leur reine une véritable divinité. Semer le mécontentement au sein de la population risque de s'avérer plus difficile que prévu. D'accord. Bon, j'aimerais casser ça aussi. Merci. Ouais, t'as sûrement raison. Wesh. Si seulement je savais... Je suis une abrutie. Pourquoi je veux faire deux morts, deux flèches, alors que je peux faire une flèche, deux morts? Comment ça, ça n'a pas fonctionné? Tcha! Tac! 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 Ah bon. Au moins ça s'est éteint. Il est tombé où? Allez, tombe! Tombe! Mais le qui veut pas me laisser m'amuser avec les cadavres. Bon, je peux comprendre. Mais quand même, un cadavre qui tombe, ça pourrait grandement m'aider, hein. Ça pourrait leur faire croire que je suis tombé. Je suis morte. Comme ça, il me foutrait la paix. Mais bon. Tiens. Oh. Je suis sûr d'y avoir moyen de les escalader, les blocs de corps comme ça. Mais je sais pas quoi ça nous avance. Une sorte de mortier sans pilon. Probablement utilisé pour préparer des potions à base de plantes. Oh. Il y a aussi des petits fragments d'os. J'espère que ce sont des os d'animaux. Oh. Oh, un Bouddha. Ah, doucement. Là, il y a du feu. On le prend. Allez. Un peu de feu, ça fait de mal à personne. Sauf à moi. Voilà, on casse. Voilà. À moi, les écrous. Hop. Parfait. On allume. Voilà. Est-ce que je peux... What? La réponse est non. Je ne peux pas. C'est pas grave. Là, il y a un truc. Ça brille. Ça clignote. Ça fait des bips. Enfin, non, ça fait pas des bips, mais vous avez compris. Hop. Ah. Yet. Allez. Probablement un accès futur.
Hop. Wow. Vous êtes sûr ce pont y tient? J'ai un mauvais pressentiment. Bon, non, faut y aller. Faut y aller. Ah ah. C'est passé. Tu es là? Qui? Ma radio. Ma radio. Reyes, où es-tu? Tu as trouvé Sam? On est toujours sur sa trace. Ok, je vais essayer d'envoyer un SOS depuis une vieille tour radio. Une idée? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord. Je te rappelle dès que je la trouve. Bien. Oui! Merde! Je vous en prie! Ne faites pas ça! Très mauvaise idée! Pour vous, hein, pas pour moi. Tir allié, ça s'appelle! Tac! Tac! Je vous avais prévenu. Je récupère. Je récupère. Et je récupère. Maintenant, on allume. Voilà. Et il faut faire brûler. Voilà. C'est vous qui avez payé. Ça va pas être pratique pour remonter. Ah si, là, je peux. Je pense. On va croire que je peux. Bon. C'est bien, ça s'accumule vite les... Les écrans. Oh, un van. Je suis dans quoi, là? C'est la carcasse d'un avion, encore? J'ai un mauvais pressentiment. Ouh. Ah, réchauffons-nous 5 minutes. On a bien mérité une petite pause. Hein. Petite session. Émotion. Session. Souvenir. Crois-moi, Reyes, c'est mécanique. C'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas... Ok. Peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois? Ah... Bonjour. Qui est cette demoiselle? Elle est mignonne, hein? Ah, plutôt, ouais. Oui, c'est Alisha. Alisha? C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Elle doit tenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et oui. Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son père. Pas mal. Donc j'étais sur le lac, pour une partie de pêche nocturne. Hé, hey, Grim, c'est l'heure de fermer les écouteilles. J'arrive tout de suite. Finis ton histoire. Sur le lac. Ouais. Et cette chose arrive vers moi, et commence à sortir de l'eau. Ouais. Alors je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Ah ouais. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. Coup de boule à la pêche. J'ai mal au crâne pendant une semaine, et j'ai pas bu une goutte depuis. À tout à l'heure, Sam. Oh, la violence. Oh. Ok, on peut refaire une prise, s'il vous plaît? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3, et action. Alors, vous le tenez bien, et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... Coupez! C'est pas comme ça. Coupez. Maintenant, vous savez comment on n'ouvre pas le poisson. Il va revenir. Je vais le chercher. L'archéologue mondialement connu. Et je peux vous dire... L'archéologue de renommée mondiale, le docteur Whitman. Ce n'est qu'un poisson. Je sais aller. Que ce n'est qu'un Tout poisson. Tout va bien se passer. Cette fichue
télé-réalité, je n'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner. Parfois, ça revient au même. Le public veut voir des choses, Dr. Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord? On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement et tranchez-lui le ventre. Comme ça. Allez, combien il est, il dégobille. Je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamata ne se trouvait pas dans le triangle du dragon? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. Quand t'as un bon instinct, c'est bien de s'y fier. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Ok, Lara. Je suis trempé. Tout le monde compte sur toi. Ouais, il compte sur moi. Mais ça, ce sera la prochaine fois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye les gens.